Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas de trafic pour cette fois, ni de moto, mais ma maman. On est au Marais Poitevin, on vient d'arriver, là on va déjeuner, c'est hyper beau, je vous montre ça direct. Donc en fait là nous sommes à la pointe Saint-Clément. C'était quoi le village déjà? Espagne, je sais plus. Bon, je vous dirai tout à l'heure. En fait on est garé tout là-bas, là-haut. Et du coup là il y a un point de vue. Là il y avait comme là où vous avez vu tout à l'heure là où on a mangé. Et là vu que la marée elle recule, on a marché tout ça. C'était trop cool. Comment t'as dit? Esnandes. Voilà. Il faut aller le bord du quai. Par contre, on voit des poissons énormes comme ça. C'est dingue. Problème, Véronique? Oui, avance. Regardez-moi les poissons, je vous disais là comme ils sont énormes. Il est 18h, nous sommes arrivés à Doha, là où nous allons dormir dans notre Airbnb. Nous allons aller voir le type là et on va voir s'il ressort ensuite ou pas. En fait, elle s'en bat l'aise, elle préfère regarder sa figure que la vidéo. Coucou, nous sommes arrivés dans notre Airbnb à Doha. Donc là, on va se reposer, on va manger tranquillement pour demain, se préparer pour une longue journée. Bon, ça y est, nous sommes arrivés dans notre Airbnb. Je viens de faire le programme. J'ai bu de la clopinette. Bon, si jamais c'est pas ça, on reviendra. Bon, ça y est, on vient de terminer de manger. Et là, on va aller se coucher parce qu'on a fait le programme. Enfin, j'ai fait le programme. Demain va être une longue journée, mais si c'est la seule journée de soleil, il faut en profiter au max. Et là, regardez comment c'est chouette. Hello tout le monde, nouvelle journée. Donc là, on est aux écluses de Bazouin. Donc voilà, vous allez voir les petites vidéos. Le soleil n'est pas trop au rendez-vous, mais il pleut pas. Voilà. À côté de mon copain, et en fait mon copain m'a dit le petit truc que je vous disais hier à boire, en fait c'est la trouspinette. Voilà, il m'a soufflé ça à l'oreille, donc merci mon pote, merci. On ne vous a pas dit, mais là on était donc à Danvix. Voilà, bon, on s'est arrêté à un nouveau point, donc là on longe le marais. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure, mais là cette partie qu'on est en train de faire, c'est le marais mouillé. Et là, du coup, ils appellent ça la Venise verte. Voilà. Nous sommes donc à Arcé.
Nous sommes maintenant à Saint-Hilaire de Palde. Bon, mais nous venons de nous arrêter à Coulon. On s'est assis dans l'herbe, on va pique-niquer au bord de l'eau. Et voilà, et ensuite on ira découvrir le village. Ça y est, nous sommes arrivés à Aziré, donc là on va faire la balade des nattes. Donc ici, là c'est le port, on peut voir que l'eau elle est transparente. On voit pas très bien la vidéo, mais l'eau est transparente parce qu'il y a une source en fait qui ressurgit d'ici. Tellement elle est transparente, vous voyez là, il y a enfin, je sais pas si vous voyez, il y a des énormes bancs de poissons. Nous avons pris un petit chemin sur la gauche, donc en fait on a commencé au port par aller à gauche. Et ensuite, on a trouvé un petit chemin sur la gauche encore que nous avons pris. Et regardez où ça nous a emmené, c'est très très beau. Une bête. Quoi? Oui, mais pour faire traverser toi aussi. Pardon? Oui? C'est ça la petite surprise. Il faut tirer le bateau pour traverser. Oui, mais c'est vrai! Faut tirer la chaîne pour qu'il revienne là! Mmh. Tu te sens comment? Je sais pas, la vache, pas non, pour moi. Non, c'est vrai! Je suis vététiste, tu vois. Voilà, là il faut monter sur le bateau. Voilà. Et maintenant? Ben c'est bon, on y va tout seul. Bon ben ça y est, on vient de terminer la balade. Qu'en as-tu pensé? Très bien. C'est tout? Oui. D'accord. Bon. Une belle petite chose à voir. Bon ben super, donc c'était la balade les nattes à Aziré.
C'était vraiment chouette, on a beaucoup aimé. Nouveau village, là on est à Mayuzé. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc là il y a la rue qui est très connue. Bien sûr, derrière l'arbre, donc vous ne voyez pas. Et là on va peut-être aller faire de la barque. Ça y est, on est sur notre barque. On a pris que une heure par contre, parce que la malade est pôle et tout, donc bon. On va vous montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. De Maza. Mazolé. Voilà. T'es contente, Véronique? Oh oui, je suis contente. J'ai perdu encore mon canard. Au secours, elle ne sait pas conduire. 90 degrés, c'était trop grave. On a failli se renverser. Non. On se balade sur la Venise verte. On va se prendre un arbre. Elle va nous faire chavirer en plus. Oh là là. Mal. J'ai pas filmé plutôt. Je me suis fait prendre un arbre là-dessus. Allez, pagaille. Ma mère a fait une adoption en fait. Après le chien, les chats, je pense que mon père il va être content. Elle bouge pas en plus. Déjà, ça faisait une heure elle était ici, là, elle se balade avec nous. Je peux plus pagailler. Ah, ben il va falloir s'en aller. Janine, c'est l'heure de partir. Faut pas gagner. Viens là, Lani. Elle vient là. Nous avons fait 1h30 de barque. Youhou tout le monde. Bon ben en fait on a fait un petit détour au magasin pour acheter de la nourriture pour Véronique parce qu'elle est diabétique, donc il faut qu'elle mange à l'heure fixe, donc manger à l'heure, enfin bon bref. Je vous passe l'histoire, mais du coup on lui a trouvé à manger, comme ça on va pouvoir encore plus se promener, parce que là il est 19h30, c'était soit on rentrait soit on continuait, mais il fallait lui trouver à manger. On lui a trouvé à manger, on continue, on est à Fontenay-le-Comte, on va aller voir le centre-ville, voilà. On trouve un petit jardin hyper beau. Sauf qu'on était là tranquille et en fait la brumisateur a commencé à foutre de l'eau. Très drôle. Voilà. On est sous les tropiques. Oh,
ça y est, on a fait notre petite balade dans Fontenay le... Le compte. Et ben, il est 21h, donc on va rentrer. Voilà. Ça y est, fin de notre première journée. Donc on vient de rentrer à notre Airbnb. On va manger, on va passer une nuit reposante. Et demain, on est reparti. On a acheté un petit préfou, spécialité de la région quand même, et un petit truc de caramel. Coucou tout le monde, donc on a repris la route ce matin, il faisait soleil quand on est parti, mais maintenant il pleut. On est allé à Luçon, mais on a fait un tour en voiture parce qu'il pleuvait beaucoup. Et là on est en train d'aller à un autre endroit. On est en train de rouler là, en fait il y a les marées et il y a plein d'oiseaux magnifiques et tout, mais le problème c'est qu'on ne peut pas s'arrêter pour marcher. Bon, il pleut mais c'est pas grave, donc c'est hyper dommage. Je vais essayer de vous montrer, mais je pense pas que vous verrez les oiseaux, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Ok, on a enfin trouvé un chemin pour aller observer les oiseaux, donc on est sur la randonnée Les Graves, il me semble, mais ça je suis pas sûre parce que j'ai pas bien vu le panneau. Mais en tout cas, c'est parti. On a pris les parapluies, donc let's go. Et bien, on n'aura pas fait longtemps sans la pluie, ça y est, il pleut. Notre première balade n'a pas été fructueuse, on n'a pas vu beaucoup de choses. Donc là, on en a trouvé une deuxième à Champagné-les-Marais. Ma mère a mis sa casquette pour se protéger de la pluie. C'est bon, on peut y aller. Donc on avait pris la route, là on avait repris le petit chemin. C'est mignon, il y a quelques petites bêtes, on aime bien. Ça y est, elle a enfin réussi à trouver son âne, elle est contente. Là, bah, il y a même le carré. Bon, là c'est pas trop un âne, mais il était jaloux de pas être sur la vidéo. Oh ben voyons. C'est l'herbe en fait, elle le ramasse. Content. On a trouvé un air de pique-nique, donc on était à l'autre balade, on a dit bon ben on va aller de l'autre côté du village pour essayer de voir, il y avait des marées aussi, donc là il y a des marées en fait partout derrière et partout là, et oh merde, et on a dit bon ben on va essayer d'aller voir, et qu'est-ce qu'on a trouvé, une table de pique-nique, donc voilà c'est trop cool. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur qui dure loin, 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 loin. Clic, clac, clic. La mer. Nous sommes arrivés à la mer. Nous partons en direction
de la plage de la Pointe d'Aiguillon. Nous venons d'arriver à la Pointe d'Arcé, c'est sur, à la Faute-sur-Mer. Bon, là par contre, autant jusqu'à présent on avait vu pas beaucoup de monde, autant là il y a quand même un petit peu de monde. Bon, un petit peu, hein, c'est pas non plus full, mais il y a un petit peu de monde. Voilà, donc là c'est parti, on va se promener. Ça y est, on termine notre balade, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Très bien. Oui, voilà, très bien. Franchement, c'est accessible, c'est à pied et c'est pas du tout long. Enfin, c'est plat, franchement, c'est cool. Voilà, nous sommes au barrage du Mervent. Biquette. Mais fais pas comme si j'étais pas là, wesh. Bon, après s'être un petit peu perdu, tout ça, on a trouvé, donc on est au Mervent là, donc là il y a la mairie et le parc du château. Et là on a cette vue. Véro est très heureuse d'être là, vous pouvez le voir. Et on a retrouvé le soleil bien sûr. Mais ça fait un petit moment déjà. On est où? À Niort. Voilà, très bien. Nous venons donc d'arriver à Niort, Niort la Bella. J'ai les gens qui voilà, donc vous avez vu le donjon d'un côté, là-haut il y a autre chose, je vais vous dire ça tout à l'heure. Et voilà, nous sommes maintenant dans les halles de Niort. Dans les halles de Niort, qu'est-ce que t'as à dire? C'est donc ici à Niort que va s'achever notre voyage dans le Marais Poitevin. Qu'est-ce que t'en as pensé en deux mots? Magnifique, cœur offert. Ça fait trois mots. Mais on vous fera peut-être une petite conclusion tout à l'heure. Mais là, il commence à pleuvoir. Nous devons partir. Bisous à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!